Bon alors, je vous fais le haul. Ça fait au moins 2 vlogs que je vous dis à chaque fois que je vais vous montrer mes achats. Et je le fais pas parce qu'on est quand même à fond dans les travaux. D'ailleurs, l'artisan est là, donc si ça fait du bruit, c'est que tout avance. Et je peux vous dire que ça va être très 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 joli. Évidemment, je vais vous montrer probablement dans le prochain vlog. Alors, je suis allée dans une galerie marchande. Je vais vous montrer mes achats et notamment, on va avoir du Naf Naf. J'aime beaucoup cette enseigne. Nous allons avoir du Bisby. Pareil, j'aime beaucoup. De la parapharmacie, H&M me semble-t-il, et c'est déjà pas mal. On va commencer par Naf Naf. J'avais choisi cette petite robe chemise un petit peu trapèze, donc c'est parfait quand t'es... Enfin, moi j'ai la taille fine et j'ai les hanches. Si tu prenais 2 articles, le deuxième était à moins 50%. Enfin, j'ai pris 2 articles. Alors, nous avons cette robe à pois, donc c'est bleu marine avec des gros pois, 59,99. Ça a un certain coût, par contre la matière est, tu vois que c'est de la qualité, elle est assez épaisse. Il y a la ceinture qui va bien. Je vais vous faire des insertions, je ne l'ai pas encore essayé en fait, tout est dans le sac depuis le début. Là pendant que je suis en train de parler, je vous montre, donc je ne sais pas si ça me va. On va miser sur ça me va bien, en tout cas j'aime bien et je pense que tu peux blouser de façon à la mettre plus ou moins courte. Et ça va être très très chouette avec des escarpins. Et avec aussi ce que je vais vous montrer juste après à la parapharmacie pour mettre les jambes en valeur, ça va être canon. Ensuite, le deuxième article qui était donc à moins 50%, c'est ce petit top. J'ai mis du temps à choisir. Vichy. Col en V. En général, les cols en V, ça ne me va pas top top top. J'aime bien parce que c'est un peu volanté. Derrière, c'est comme ceci. Nous avons Jack, ça y est, c'est foutu. Enfin, je l'ouvre, sinon c'est pas possible. La taille, c'est S, pardon, parce que je vois ici, donc c'est S également. C'est une taille droite, donc moi, j'aime pas trop, ce qui fait que bah, je vais le mettre forcément soit dans mon pantalon, soit si je porte avec une jupe. Mais vous pouvez le porter également droit. Et c'était à 24,99€, ce qui veut dire que je l'ai eu à 12,40€ et quelques. On continue avec... Ah oui, alors, chez Bisby... j'ai trouvé un ensemble. Enfin, un ensemble, c'est moi qui ai créé l'ensemble, ça n'allait pas forcément ensemble. Un petit haut que je vais vous mettre en photo, donc c'est une photo Insta, parce que le petit haut est au sale, c'est un petit peu en maille crème, comme du crochet. Le col rond, c'est très beau. Et pour aller avec, j'ai choisi ce pantalon très très fluide, le type de pantalon que je ne mets jamais jamais. Moi c'est très compliqué hein. Pour mettre des bas, les jeans, les machins, c'est une galère, de toute façon faut que je les essaie, ça me va rarement. On peut pas dire que ce soit non plus extraordinaire ça sur moi, mais je vais être tellement confortable. Je pense qu'avec le petit haut ça fait sympa. Nous avons des petites poches et c'est très sympathique. Je suis en train de chercher le prix, 39,99€, et j'ai pris une taille M pour être bien. De toute façon, le bas, je mets pas de S. Moi, je mets du S en haut et en bas, je mets du M. Donc voilà. Donc ça, c'est top. Est-ce que je vais ouvrir au Jack, à Jack. Je vais me demander, est-ce que j'appuie sur Play? Eh oui, c'est bon. J'avais fermé parce que forcément, ça risque de faire du bruit. On en est où? Je ne sais plus. Donc Bisby, c'est fini. J'ai l'impression que ce haul, ça va assez vite. D'ailleurs, vous avez vu, je fais plus de haul. Je fais que du vlog. Ou mes présentations box, mais c'est vrai, le dernier haul, ça date, c'est des fringues. Donc, parapharmacie, alors là, accrochez-vous. Pourquoi j'allais d'ailleurs dans cette parapharmacie? Ah oui, bah pour trouver une protection solaire pour le corps, parce que j'ai une petite tache là. Je psychote, j'ai l'impression qu'elle a un peu grossi. Bref, j'ai envie de protéger, parce que les bras, c'est le genre de truc qui est au soleil H24 l'été. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai une personne dans mon entourage très très proche qui a une tache pigmentaire au niveau de l'oreille. Et cette tache a triplé, voire quadruplé en, je dirais, 5-6 mois de temps. Elle est vraiment pas belle, ça m'inquiète. Et forcément, elle, comme moi, j'ai appelé dans un périmètre de 100 km des dermatologues. C'est une catastrophe, pas avant genre 9 mois, 1 an, sachant que j'ai emmené cette personne, elle est allée voir son médecin qui lui a dit effectivement il faut que vous allez voir un dermato dans les 3 mois. Donc on fait comment en fait?
Oui. On fait comment quand il n'y a pas de dermatologue? C'est lamentable en fait, c'est lamentable. Et pour en revenir à cette pénurie de médecins, parce que je mets les dermatologues, mais les ophtalmos, les dentistes, c'est une galère, c'est une galère. Moi je suis quand même restée à un moment donné, si vous suivez mes vlogs, pendant 4-5 mois, c'était une urgence dentaire. J'étais presque sous antibio tout le temps, ce qui est absolument anormal. Hein. Déjà, faut qu'un médecin te voit pour savoir qu'il y a... Bon bref. Et on est en fait obligé de faire nos pleureuses. C'est-à-dire que quand t'appelles, faut pleurer, faut quémander en fait. Dingue. Bref, coup de cœur. Je vais en profiter, écoute. Si parmi les personnes qui regardent ce haul, il y a des dermatologues, contactez-moi en privé, non pas pour me faire une... enfin, c'est pas pour moi, mais... Non pas pour faire une consultation privée, mais... J'ai une petite question à vous poser, voilà, donc ça serait hyper sympa, il y a mon adresse mail en dessous, voilà. J'allais donc pour cette crème, je me suis pris, parce que j'ai la peau très claire, parce que je ne m'expose pas plus que ça, et surtout parce que je mets un temps fou à bronzer. Donc, j'ai pris Eau Thermale avec Cus SPF 50, j'ai du mal, qui a un petit côté hydratant, et surtout qui a un petit côté un peu allé, très légèrement. Mais c'est toujours bien pour mettre là sur le décolleté ou sur les bras. Et je vais peut-être attendre. J'expliquais à la vendeuse, à la parapharmacie, que voilà ce que je vous ai dit avant, que je ne bronze pas beaucoup, j'aime pas m'exposer, mais de toute façon je mets 15 ans avant de vraiment bronzer de façon uniforme. Et elle m'a dit bah bougez pas. On a un produit absolument dingue que tout le monde utilise. Enfin, quand je dis tout le monde, les personnes qui étaient à la pharmacie, et en tout cas les vendeuses. Et elle m'a dit c'est le top du top. En gros, c'est comme un maquillage de corps. Jusqu'ici, vous allez me dire, oh, mais c'est déjà connu. Mais là, c'est un maquillage de corps qui te fait un effet waouh, qui te fait un effet quand même assez naturel, donc bronzant, et t'as l'impression d'avoir un collant. C'est la marque Vita Liberata Body Blur et évidemment je l'ai testé. Je vous fais la démo juste ici, juste comme ça. Mais je vous montrerai bien évidemment sur mes jambes, parce que c'est sur les jambes que c'est intéressant. Hop, 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 hop. Alors comme ça tu commences, tu fais waouh, ça va être foncé. Et en fait ça s'uniformise super bien. Alors j'avais peur, je dis oui, mais alors si ça frotte, parce qu'en fait c'est surtout, il n'y a pas de SPF, c'est surtout à utiliser le soir. Quand tu sors, en tout cas pour faire un bel effet, notamment sur tes jambes. Et il n'y a pas de transfert, parce que je me suis dit, imagine, tu as une jupe blanche, un truc, ça salit pas du tout. Donc j'ai fait un test sur mes jambes, et en fait, ça reste quand même. Tu l'enlèves au savon. C'est un haut sous haute tension. C'est subtil, mais on voit que tu te dis, ah, là, il y a eu une petite exposition solaire. Et bah, pas du tout. Je suis très contente, très très contente. Et j'ai surtout hâte de le mettre sur mes petites jambes. Ça, je vous dis, il est là depuis au moins une semaine. Je ne l'ai même pas ouvert, je vous attendais. Il s'agit de... Moi, je suis très, très, très hydratation intense sur les lèvres, machin. Je ne trouve jamais... Enfin, c'était assez rare de trouver le bon hydratant. La plupart du temps, il fait un petit effet, mais on va dire 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes après, tu as besoin d'en remettre parce que c'est déjà déshydraté. Donc, j'ai pris ça. Je n'ai pas demandé... à la vendeuse, en tout cas je l'ai pris, ça me paraissait pas là. Placenteur végétal, c'est un baume à lèvres anti-âge qui est repulpant. C'est mignon en plus le package, on dirait un rouge à lèvres. Et c'est tout blanc. Ah oui, il y a une odeur, je dirais légèrement vanillée. C'est une odeur qui me rappelle quelque chose. Il y a un moment, le problème c'est que j'ai déjà les lèvres hydratées, mais balèque. Qui sent qu'il va être nourrissant celui-là. Donc je vais le tester déjà le soir avant de me coucher pour voir si au matin t'as toujours cet effet un peu hydratant et repulpant, parce qu'ils te disent bien que ça repulpe. Donc vous aurez compris que je ferai un petit retour une fois qu'il aura été utilisé de façon plus intensive. J'ai été très agréable, j'aime beaucoup l'odeur. Donc il y avait quoi d'autre? Ah bah si, ça je vais pas pouvoir vous montrer, c'était chez H&M. Je me suis pris un soutien-gorge très joli, vraiment joli, 19,99€. C'est vrai qu'ils sont pas chers chez H&M, donc classique comme ça. Et là ça fait petite dentelle, c'est hyper joli, j'aime beaucoup. C'est tout simple mais c'est très mignon. Et je me suis pris quoi, un adhésif bra, quand tu veux, soutien-gorge adhésif, que j'avais déjà acheté quand je suis allée au mariage de mon frère
à Saint-Martin, aux Antilles. J'avais une robe genre comme ça. Magnifique, je vous montrerai les photos. Comme ça. Attends, parce que Caraïbe quoi. Donc genre 30 et quelques plus degrés, la moiteur et tout. Je me suis dit, mais ça va jamais tenir. T'imagines, c'est adhésif. Donc j'avais une robe verte comme ça, parce que c'était le dress code, comme ça. Et hop, limite à la Mireille d'Arc, le truc je crois qui partait là. Donc forcément, il fallait pas qu'on voit les armatures, donc c'était le bon compromis. Et bah ça a vachement bien tenu. Donc je me suis dit, Caro, vu que là j'ai des petits modèles de robes qui vont nécessiter des modèles de robes qui vont nécessiter de ne pas porter de soutien-gorge, je me suis dit investi, parce que ça en fait tu peux faire plein de lavage. Oui, 14,99, j'attendais parce que des fois ils me demandent. Et c'est tout bête. Évidemment, ça aussi, je vous montrerai quand j'aurai une robe qui va s'y prêter. Et puis, je vous dirai, voyez, là, j'ai le soutien-gorge adhésif. Je vous montre quand même pour celles et ceux. Il y a les garçons qui regardent également. Bah, ah, il n'était pas comme ça, je crois, le mien. D'accord, donc moi, c'était en une pièce. Là, on est sur deux pièces. Ça se clipse. Bon, bah, c'est pareil, hein. Ça se clipse, après tu le mets, blam blam blam, salut, pampelope, ça danse, ça tient, ouh, on est content. That's all. Ah, elle m'a donné, c'était gentil. Elle m'a dit quand même si c'est pas de l'autobronzant, on est d'accord, mais elle m'a dit, de façon à le répartir de façon uniforme, je vous donne le petit gant comme ça. Donc ça, c'est cool. Elle m'a donné plein d'échantillons. Petits échantillons comme ceci, pour le contour des yeux, pour tout. Ben voilà. C'est terminé pour ce haul, on a réussi à le faire. Non, il est là, petit bipi, il faut que je vous le montre. Attendez. Est-ce que c'est un provocateur d'être aussi mignon? Il est beau. Je vous dis, hein, il peut pas s'empêcher, il faut qu'il soit tout le temps dans la même pièce que sa mère. Mais là, t'es mignon. Tu vois, t'as pas trop pleuré. Il est beau garçon. Allez, fais gros dodo. Je termine ce vlog à bout de bras. Et je vous dis, non, ce vlog, tu vois, des formations professionnelles, ce haul. Et je vous dis à très vite pour la révélation. Tout, ça va être trop beau. Ciao.